Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo sur e-marketing. Bon, en ce moment, c'était un peu le bordel. Je me suis dit que ça ne servait à rien de faire des vidéos parce qu'il y avait tellement de changements, tellement de mises à jour, tellement de choses qui n'allaient pas avec les affichages, ça, tout le monde est au courant, les problèmes russes, blablabla. Donc aujourd'hui, c'est tout simplement une petite vidéo rapide. Je pense que tout le monde est au courant, quasiment tous. Tous les comptes sont en train de se mettre à jour, notamment en ce moment les budgets donc non dépensés, c'est-à-dire, je vais vous montrer en photo. Alors, ça c'est mon ancien screen avant l'arrêt de iMarketing. Donc, il y avait en tout un total budget de 9 419 et mon robot n'en avait dépensé que 6 614. Donc, si on va sur la calculette, vous voyez, j'ai fait le calcul là, 9 419 moins 6 614, ça nous faisait donc 2 804 $ de budget pub non utilisé qui ont donc été réinjectés actuellement pour relancer mon robot. Et en plus de ça, j'avais rajouté 32 € de ma poche encore pour relancer quand ils ont dit qu'on pouvait remettre. Donc, vous voyez, 2804 plus les 32, vous voyez que ça fait un total de 2836,33 que l'on retrouve, que l'on retrouve là. Voilà, tout pile, exact. Sachant que j'avais encore, comme vous le voyez là-haut, 500 $ dans la balance des annonces. Bon, ceux-là, ils vont retomber quand tout sera prêt, tout sera relancé. Donc, on va voir un petit peu mes statistiques. Mon robot s'est relancé donc depuis le 28. Voilà, alors ça fait, on va faire le calcul ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours, d'accord. Donc, 401, donc c'est le budget qui a été dépensé en 9 jours, 401 divisé par 9, donc mon robot dépense en moyenne, on va dire, 45 $ par jour pour m'en faire donc 753, on va dire 45, et vous voyez, donc le premier jour j'ai fait 101, l'autre jour 59, 71, 98, 110, on peut dire qu'on a des sacrées rentabilités. En ce moment, honnêtement, je ne sais pas si c'était mieux qu'avant, je n'ai pas vraiment souvenir, parce que déjà avant, c'était déjà exceptionnel en rendement. Mais là, on peut dire que au moment où je tourne, il est 14 h 15, donc on est à peine en milieu de journée. On a les ventes qui sont à peine donc, de 2 heures auparavant. Donc les ventes de midi 15, théoriquement, on le voit. Donc la dernière vente qui a été faite aujourd'hui est de 11 h 29. Donc je n'ai pas fait de vente depuis. Mais bref, on est quasiment au double déjà. Sur fin de journée, je serai sûrement 800 de cashback. Donc le double, c'est quasiment sûr, ou presque. Bref, c'est déjà exceptionnel. Donc voilà, les robots se sont relancés. Que dire de plus? Pour les robots qui étaient relancés, mais où il y avait marqué... c'était marqué... Dans ma publicité, c'était marqué off, malgré qu'ils faisaient des pubs. C'était tout simplement donc, des bugs d'affichage. Donc l'histoire avec Eugène qui n'était pas au courant, bon... certes, soit, c'est ainsi. Et donc, pour ma part, il y avait à peu près un peu plus de 7 500 $ de cashback en cours, qui était bientôt disponible, normalement, qui aurait été disponible déjà là, d'ici 10 jours, la totalité aurait été très disponible. Bon, c'est pas grave. On espère que tout va bien se relancer, blablabla, hein, on l'espère tous. Voilà, c'était aussi pour dire, sinon, que comme ça se relance bien, si vous avez envie de reparrainer ou d'en reparler à votre entourage, sachez que les personnes qui ont envie de commencer peuvent, c'est le bon moment, tout se relance très bien. Moi-même, j'ai relancé la première fois, j'ai juste rajouté 19 $ pour voir. Dans le 2 jours plus tard, tout avait été dépensé déjà et j'avais 28 $ sur les 19, donc 50% quoi, quasiment, ou plus, à une fourchette près. Voilà. Voilà, bon, bah, en espérant que les choses vont bouger d'ici quelques temps, voilà, on en fera une vidéo, un petit récapitulatif de tout ça. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe, on partage toutes les informations, tous les liens d'inscription sont dans la description de la vidéo en dessous, vous le verrez. Ainsi que notre groupe Facebook, voilà, si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez suivre toutes les infos, si vous avez des questions à nous poser, au moins on aura une communauté soudée, ce sera entre nous.
Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les avancées, tout ça. Moi, je vous tiendrai au courant du mieux que je peux quand il y aura des vraies choses à dire. Voilà. Sur ce, c'était Rémi. Je vous laisse là. Peace.